State of Earth. Salut à tous et bienvenue à vous pour ce nouveau Dapling aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de Dapling et oh voilà un beau petit dauphin tout beau, tout mignon. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben c'est le logo de chez Océan. Océan qui est en fait l'éditeur de ce jeu vidéo développé par la Team 17 et il s'agit d'un classique. Du monde des jeux vidéo, je pense. Il s'agit de Worms, les petits vers de terre qui s'affrontent à coups de lance-roquettes, fusils à pompe, revolvers, comme on peut le voir dans cette vidéo, et tout le tralala. Donc, c'est parti pour Worms, pour une petite partie de Worms. Hein, donc, ça va être un petit dappling, pas extrêmement long, et c'est pas forcément plus mal. Il faut savoir que j'avais été dans l'impossibilité de pouvoir continuer mes dappling il y a de cela, je dirais 3-4 mois, parce que j'ai dû déménager. Et donc, c'est avec grand plaisir que je reprends un dappling aujourd'hui ici avec vous. Alors c'est vrai que les conditions sont peut-être pas optimales, mais il me semblait important de reprendre à un moment ou à un autre, et surtout le plus vite possible, parce que c'est un défi que je m'étais lancé, c'est-à-dire de faire une émission chaque semaine durant cette année 2013. Alors je n'ai pas respecté ce contrat suite à quelques petits soucis personnels, mais néanmoins je vais essayer d'aller le plus loin possible. Voilà, tout simplement. Alors c'est parti, on va lancer une petite partie de Worms. Alors, play game, je vais choisir mon équipe, l'équipe One Up, ça c'est mon équipe et on va affronter les Fab Four. C'est parti mon kiki, dans un petit match amical, c'est parti, on lance la partie. Les chargements sont plutôt rapides, vous pouvez le voir, voilà la map. Alors on peut choisir sa map en appuyant sur Select. Vous voyez, je viens d'appuyer sur Select et du coup on change de map, on change de carte. Ce sont des petits niveaux qui sont générés automatiquement. On va prendre celui-là avec les têtes de mort, donc c'est parti, j'appuie sur Start. Et voilà notre petit Worms. How hard is your worm? C'était écrit How hard is your worm en bas de l'écran, ça veut dire... à quel point ton verre est-il dur? Donc je vous laisse imaginer ce que cela signifie en vérité. Alors, nous sommes les blancs. Donc moi j'ai, je crois que j'ai Ginger, j'ai Fluff, Smidge et Dodger comme coéquipiers. Je dois affronter les petits bonhommes jaunes, Paul, John, George, etc. Donc ce que je peux commencer à faire, c'est assez kamikaze comme jeu quand même. Je vais tenter de lancer une petite grenade. Alors vite, parce qu'il me reste que 15 secondes pour pouvoir lancer une grenade. Oh non, je vais plutôt faire un petit missile téléguidé. Alors je vais viser George pour essayer de le tuer. Donc je vise et je tire mon missile. Boum ! Dans sa gueule et il tombe dans le feu ! Dans la lave. Ah non, peut-être pas. Ah non, il a été sauvé de justesse, il a failli tomber dans la lave. Mais il est tombé juste sur le bord. Maintenant, c'est au tour de mon adversaire de jouer. Généré par l'ordinateur. Alors, il se téléporte, lui. Bon, pourquoi pas. Un choix peut-être stratégique. Ça joue énormément sur la stratégie, ce jeu. Il y a plusieurs possibilités. Donc là, maintenant, j'ai mon petit ver de terre. C'est à mon tour de jouer. Hein. C'est au tour par tour. Et je vais placer une petite dynamite sur John. Voilà, c'est pour toi, c'est cadeau, mon copain. Et je m'en vais en sautant. Attention. Boum! Oh là là, il m'a emporté dans sa chute, comme vous pouvez le voir. Je lui ai fait perdre 69 points de vie. Donc chaque ver de terre a 100 points de vie. Et il faut éliminer tous les vers adverses en leur faisant tomber leur niveau de vie à zéro.
ou alors en les projetant dans la lave brûlante ou dans l'eau, enfin tout dépend des niveaux dans lesquels on joue. Donc encore une fois une téléportation de la part... Oh, j'ai pas vu qu'il y avait une petite mine sur le crâne et du coup j'ai été projeté dans la lave. Je viens de perdre un de mes vers de terre. Bordel, c'est pas possible. Ah là là, mon adversaire qui me balance une grenade. Ouh, j'ai de la chance. Non, j'ai pas de chance. Je pensais que la grenade avait pété sur la mine, mais une mine est retombée sur mon verre, sur Dodger. Ça ne va pas se passer comme ça, espèce de petit enfoiré. Je vais refaire appel à mon missile. Directement sur George. C'est parti, lancement du missile. Hop! Sur sa tronche! Ah mince, je lui ai fait perdre que 50 points de vie, il lui reste encore 3. Donc il est encore vivant. Alors Ringo, qu'est-ce qu'il fait Ringo? Attention, il a une mine devant lui Ringo, est-ce qu'il l'a vu? Il l'a vu. Ouf. Ouh là là, il a failli me faire tomber dans la lave. Il a failli faire tomber mon petit ver de terre nommé Ginger. Toi tu vas prendre cher, tu vas te prendre un bon gros coup de lance-roquette dans ta figure, espèce d'enfoiré. Tiens, voilà. Dans sa figure, je l'ai foutu. Allez, il perd 46 points de vie. On peut voir en haut de l'écran les barres de vie respectives de chaque équipe. Oh là là là, il m'a mis un coup de lance-roquette directement sur mon petit verre. Sur Dodger, il lui reste que 3 points de vie. Allez, on va pas se passer comme ça. Oh là là, mince, mince, mince. Et voilà, j'ai sauté comme un imbécile jusqu'à trouver une mine sur mon chemin. Et dès qu'on subit le moindre dégât, en fait, le tour passe à l'adversaire. Donc c'est ce qui vient de se passer. Ouh, la grenade était bien lancée de la part de mon adversaire, mais il a pas réussi à toucher mon verre. J'ai de la chance. Sur ce coup, qu'est-ce que je peux bien tenter? Je sais que ça va paraître suicidaire, mais je vais tenter une pluie de missiles. Où est-ce que je peux tenter ça? Alors, sur Ringo. Sur Ringo. Allez hop, c'est parti. Oh là 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 là. Tous les missiles sont tombés, mais il n'y en a aucun qui a pu toucher mon ennemi. J'ai vraiment pas de chance. Et lui, il me lance une grenade. Il va tuer mon Dodger. Quel enfoiré, bordel. Cette première partie de Worms, c'est mal parti. A mal débuté pour moi. Donc je vais peut-être en refaire une juste après, on va voir. Alors Ginger, tu vas m'assassiner cet enfoiré. Qu'est-ce que je peux lui lancer? Je vais lui lancer un coup de bazooka hein, pour pas changer. Voilà. Dans sa figure directement. Allez, il perd 49 points de vie, il en reste plus que 5. Mais c'est à son tour et là je pense qu'il va pas me faire de cadeau. Oh là là, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait? Une grenade. Oh là là, je vais partir. Ah non, j'ai de la chance. J'ai de la chance. La grenade ne m'a pas. M'a pas atteint Ginger. Allez. Allez, c'est à mon tour. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un coup de fusil à pompe, non, parce que le problème c'est que dès qu'un des vers ennemis se fait tuer, il s'explose la tronche à coup de dynamite. Donc du coup, si je tue John à coup de fusil à pompe, je vais quand même être à côté de lui. Et il va s'exploser la tronche devant moi, et donc du coup il va me faire mal en se tuant. Donc ce n'est pas ce que je veux. Qu'est-ce que je peux essayer? Bah tant pis. Je vais quand même essayer le coup de fusil à pompe. Tant pis. Tiens, mange-toi ça. Voilà, c'est pas le problème, c'est que j'ai pas réussi à le tuer, malgré tout, et je pense que lui il va pas se gêner pour... Ah non, c'est pas fini, j'ai encore droit à un coup de fusil à pompe. Alors ça c'est une particularité de l'arme je pense, c'est qu'on a le droit à 2 coups, et voilà, coup de fusil à pompe, et voilà, John, mon ennemi, vient de mourir, du coup il se tue. À coup de dynamite, et du coup ça a tué mon Worms aussi, vu qu'il ne me restait plus que 17 points de vie sur ce dernier, et ben il s'est tué lui aussi, donc du coup c'était un peu kamikaze. C'est vraiment pas une bonne partie. Oh là là, j'ai de la chance encore une fois, la grenade qui ne m'a pas tué. Oh, toi tu vas déguster.
toi tu vas prendre cher. Attention, coup de lance-roquette dans ta figure. Mais voilà. Mange-toi ça, va. Mange-toi ça, Ringo. Ringo qui perd tous ses points de vie et qui se tue. Boum. Ouh là là. Et puis le petit carré blanc, en fait, c'est une tombe. Hein. Littéralement, il a creusé sa tombe à coup de dynamite. Alors George, il ne reste plus que 3 points de vie, qu'est-ce qu'il fait? Oh non, l'enfoiré, non, il me lance un missile, il me lance un missile! Oh là 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 là! Et non, il est tombé mon Worms dans la lave brûlante, c'est la fin de la partie. Victoire de l'équipe adverse, j'étais... Ah non, qu'est-ce que je raconte? Non, si, j'ai raison, j'ai perdu cette partie. Et voilà, première partie perdue sur ce Worms, on va en refaire une. Cette fois-ci, je vais essayer d'être un peu plus stratégique. Et non pas bourrin à coup de lance-roquette. Allez, on accepte cette carte, c'est parti. C'est au tour des... je crois que c'est les Fab Four, leur nom d'équipe. Les 4 fantastiques, en gros, hein, Fab Fabulous. Four, les 4 fabuleux. Alors, qu'est-ce que je peux faire là aussi? Je vais... Est-ce que je peux sauter là? Ouais... Est-ce que je peux monter jusqu'en haut? Non, j'y arrive pas. Il faut essayer de jouer avec les sauts des Worms, c'est pas évident. Non, j'y arrive pas. J'essaye quand même. Ah si! Ouh là là! J'ai réussi à sauter. Je vais mettre une petite dynamite pour les deux, ça va leur faire du bien, je pense. Comment je peux faire? Une dynamite et je me barre le plus loin possible. Malheureusement, je peux pas aller plus loin. Du coup, ça blesse un peu mon Worms. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui vient de mourir. C'est parfait. Boum, dans sa tronche. Là, j'en ai un en face de moi. Il lui reste plus que 25 points de vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, coup de bazooka sur son pote. Mais il est fou. Eh bien, il se tue. En même temps, il fait mal à mon Worms, qui n'est pas encore battu. Il lui reste 30 points de vie. Génial. Qu'est-ce que je peux faire, là? Ah bah là, il est un peu coincé, mon Worms. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un missile sur Ringo. Ah, mais je peux pas le lancer. Non, non. Mauvaise idée, parce que le missile, je peux pas le lancer. Je vais faire une pluie de missile, du coup. C'est parti! Alors par contre, du coup, j'ai blessé mon Worms qui est juste à droite, là. Et il lui reste 16 points de vie. Ouh là là, c'est chaud. Ah bah Ringo, il va se faire plaisir, il va le tuer, mon Ginger. Ah non, même pas, il se téléporte. Il avait pas envie, apparemment. Ouh. Et oui, parce qu'il faut faire attention, les Worms, quand ils tombent de trop haut, bah ils sont un peu déséquilibrés. Et s'ils tombent vraiment d'encore plus haut, du coup, ils se font mal et le tour passe à l'adversaire. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais tenter une grenade. Petite grenade. C'est parti, mon kiki. Plutôt bien lancé. Non, mal lancé. Mal lancé. Putain, c'est pas possible. Le rebond est vraiment mauvais sur cette grenade. Donc, du coup, j'ai pas réussi à avoir mon adversaire. Je suis dégoûté. Alors, que fait ce petit coquinou des bois? Une grenade. Oh là là, lui par contre, il l'a bien lancé. Oh là là. Et voilà. Un de mes vers de terre à l'eau. Il l'a bien lancé, ça a fait péter les mines qui étaient aux alentours. Oh, c'est rigolo, un smiley. Mmh. Allez, stop, on va arrêter de déconner. Tu vas te prendre ça dans ta figure, Ringo. Hop, ça revient. Allez, le missile. Voilà. Tiens, toi, je t'ai bien fait manger, bien comme il faut. Allez, du coup, Ringo se suicide, il a perdu. C'est vraiment rigolo, c'est cartoon. Alors ça, c'est vraiment la première version de Worms, parce que depuis, il y en a beaucoup d'autres qui sont sortis des versions de Worms. Juste après celui-là, je crois qu'on a vu Worms Armageddon, qui est un peu plus joli, aux alentours des années 99-2000. Puis après, on a eu plusieurs adaptations. On a même eu le droit à des Worms en 3D sur les consoles PS2, Xbox et GameCube. Qui étaient différents, littéralement. Alors qu'est-ce que je peux faire avec mon Worms? Est-ce qu'il me reste un missile? Oui, il me reste un missile. Je vais essayer de le projeter.
Hello! Quand on arrête de jouer trop longtemps, les worms font Hello! On est là, tu peux jouer avec nous. Donc c'est plutôt rigolo. Je vais essayer de projeter John directement dans l'eau, grâce à ce missile, qui j'espère va lui être fatal. C'est parti, le missile qui part dans les airs! Et c'est réussi! John est tombé à l'eau. C'est la fin de la partie, je remporte ce match. Et je pense qu'on va s'arrêter là. C'était vraiment un petit dapling que je voulais vous faire aujourd'hui sur un petit jeu. Un petit jeu, mais qui en a quand même dans le slibard, hein, littéralement. C'était Worms sur PlayStation, sorti en 1995. C'était un test, un petit test en direct rétro. Comme vous le savez, j'aime bien tester de vieux jeux vidéo. Et ce fut un plaisir de faire ce Worms et de reprendre ces daplings avec vous. Donc, eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain Dapling. C'était Daplayer, à votre service. Salut à tous!